Enfin, ça y est. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG de Normandie. Je ne sais pas ce que donne le son actuellement. Je verrai bien. Je vous explique. J'ai XSplit, Action qui m'a chié dans les bottes, qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de faire chier. Donc je tourne avec XSplit. Donc j'ai changé de logiciel de capture. Et malheureusement, donc résultat, bon bah vous avez la petite pub à droite là. Bon, si on clique dessus, en fait ça re-télécharge le jeu, c'est un peu inutile. Mais voilà, c'est bon, bah vous l'avez, c'est pas grave. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas eu. Donc plusieurs choses s'est passé. Déjà, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois que l'on s'est vu sur cette série. Et déjà, premièrement, je crois qu'on s'était quitté en version 0.79 quelque chose. Maintenant, on est en 0.82. Et on vient de passer en 82 au moment où je tourne. Alors, pour vous, voilà, hein, ça sera peut-être passé depuis bien longtemps. Et gros problème avec cette mise à jour. Au départ, je me suis dit, très bonne nouvelle. Alors, je vais faire ça avec le truc. C'est que maintenant, quand on exporte quelque chose, on a une fenêtre en plus. Alors, je me suis dit, génial, on va pouvoir balancer plus de ressources en simultané. Pouvoir, en fait, balancer par stack de 10 000 ou stack de 100 000. Et ben non, en fait ça permet de pouvoir importer ou exporter des quantités moindres. Donc non seulement c'est inutile, mais en plus ça fait chier pour les exports. Donc je vais envoyer un message sur le forum, mais à mon avis ça va, ils vont revenir en arrière là-dessus, parce que moi je pensais que on pourrait plutôt vendre plusieurs lots d'un seul coup d'une même ressource. Non, c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Donc ça fait une fenêtre en plus pour vendre, ce qui fait que les ventes sont plus longues. Déjà que c'était très long quand on avait beaucoup de ressources à vendre avant. Bof, honnêtement très très bof. Donc voilà, donc je suis un peu vis-à-vis de ça, mais ce n'est pas très grave étant donné que alors deux choses. On va énormément voir de choses en ce moment. Donc premièrement, donc la transcendance, hein, ça avance. On peut je pense qu'on va commencer par ça, l'interdimensionnelle transposition. On va commencer par la Stargate. Donc j'ai les artefacts aliens suffisants. Et j'ai, vous avez peut-être pas vu mes points de recherche, mais en point de recherche, voilà, j'ai encore 33 millions, je viens de rechercher la Stargate. Alors, on va voir un petit peu. Alors, pourquoi c'est lent ? Ok, ça ramouille un peu. C'est rien. Économie. Ok, la Stargate, qu'est-ce qui... Oh purée, il me faut 6000 de ça. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Bon. Ben ça, on va en parler. Oh, merde, mais ça rame à mort là, qu'est-ce qui se passe? Attendez. C'est XSplit qui me pose problème. Attendez, je regarde un petit peu, mais. Bon, attendez. Je sais pas pourquoi. Ça rame plus que. Attendez, je crois que j'ai relancé la partie parce que clairement. Je suis désolé, hein, là... Alors, voilà, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, on est en 0.82. Alors, l'avantage, c'est qu'on compare à Action, maintenant, je peux ouvrir d'autres fenêtres derrière, et vous ne voyez rien, parce qu'avec Action, en fait, je faisais vraiment une capture, vous savez, de région... Hmm.
Ça sent que j'ai coupé mon Firefox. Pas vraiment avoir le choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me bouffe? Oui, ouais, il y a ça, mais ça va me faire bugger mon enregistrement, je suis sûr. Bon, on va voir un petit peu. Attendez, je reviens. Juste un instant. Bien, excusez-moi. Donc j'ai repris. Hop. Alors, ça rame toujours un peu. Bon, ça saccote un petit peu. C'est quand je bouge la caméra. Donc, ben j'ai fait. J'ai fait 10. Comment dire tac. Donc 10, 20. Bah, c'est simple. J'ai fait une centaine. Donc voilà de d'Antanium synthétiseur. Tout ça pour avoir 10K de stockage et j'ai fait une cinquantaine me semble-t-il de ces trucs-là. Non, moins que ça. J'ai fait, ouais, c'est ça. J'ai fait 40 de ces trucs-là et apparemment il m'en faut 20 de plus. Parce que je suis emmerdé, mais les Tritanium raffineries, et ben en fait, il n'y a pas de stockage pour ces trucs-là. Il n'y a pas de bâtiments qui me permettent de faire du stockage au niveau de ces ressources-là. Donc, eh ben, écoutez, on va faire un peu de terraformage et puis ben faut en créer plus, mais ça coûte cher, ça coûte super cher à faire. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais déjà faut que je déblaye la flotte qu'il y a là. Je vais voilà. Ben, écoutez, on va faire ça ensemble. Mais voilà, la Stargate, au moins on connaît les objectifs à faire. On va faire le tour de la base rapidement, le temps que ça se construise. Ah ouais, mais en plus mes robots ils sont occupés ailleurs. Oh, yo, 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 yo. Ah, moi qui avais prévu d'avancer. On va voir sur les autres recherches également, hein. Vous en faites pas. On a énormément de choses à voir. Écoutez, apparemment, si je dis merde au jeu et que je vais plus vite que lui, il a l'air quand même de prendre en compte mes actions. Donc au moins, on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Ok, ensuite, donc, en ressources. Mais ça galère à mort là, je sais pas ce qui se passe. Donc les Tritanium raffineries, hop, et ben on va essayer d'en créer 20 de plus. Attendez, hop. Mais ouais, je vais manquer de. Oh, ça va être l'horreur. Ah bon, ok, allez, hop. Je confirme déjà la construction de ces 10-là. Bon. Et on va en construire 10 de plus. Ici. Voilà. Hop. Oh,
Le jeu galère à mort, c'est dingue. Et là, ça doit être à cause de l'enregistrement en plus, parce que d'habitude, ça va, quoi. Je veux dire, j'ai joué des heures, et puis, même si j'avais des ralentissements de temps en temps, là, c'est vraiment l'horreur, quoi. Bon. Bon, je vais dézoomer à fond. Hop. Et on va faire le tour, mais un petit peu en hauteur, hein. Comme ça, au moins, voilà. Donc, ça va être très simple. De ce côté ici, là, est-ce qu'on voit mon curseur au moins? Je suis même pas sûr qu'on voit mon curseur. Bref, du côté des fermes à arbres et de la zone là avec les hipster loft, tout ça, ça a pas changé. Là-bas, vous pouvez peut-être le voir, j'ai fait quelques tours d'aliens pour me produire plus d'énergie et j'en ai 5 autres qui sont en attente de création, mais je sais pas où sont partis mes rovers de aliens. Donc voilà. Ici, là-bas, j'ai commencé à faire les banques d'investissement qui coûtent très cher, mais honnêtement, qui permettent notamment de réduire le chômage parce que chaque banque engage 500 personnes. Donc voilà. Donc j'ai des problèmes de chômage actuellement. J'ai refait également quelques ventes de joyaux. Parce que ça se vend bien, mine de rien. Et puis voilà, j'avais du diamant à plus savoir quoi foutre. Alors, allez, je vais en vendre suffisamment pour rester juste à un positif. Et si on m'en demande d'arriver à un moment, bon, bah, au moins, j'aurais plus qu'à les couper pour que ça réaugmente. Et puis voilà, quoi. Ici, tous mes sites archéologiques, je les ai tous transformés en ultra deep dixite. Donc j'en ai 40. Voilà. Bon, ici, là-bas, c'est mes ressources. Là, pour le moment, voilà, c'est à l'arrêt. Parce que si je relance, je sens que ça va bugger à fond. Ici, au niveau des... J'ai rajouté les spaceports pour avoir plus de touristes. Parce que les touristes, ça rapporte pas mal de pognon aussi. Le problème, c'est qu'en fait, les touristes arrêtent d'arriver si on bloque l'immigration. En fait, si on regarde là dans le, hop, dans le consulat, tiens, c'était traduit ça. Bref, l'immigration, si je la coupe, ça coupe aussi le tourisme. Alors que si je coupe le tourisme, ça coupe pas l'immigration. Donc c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais bien aimé c'est couper l'immigration tout en autorisant le tourisme, mais ça, c'est pas possible. Donc ça fait chier. Mais c'était traduit depuis quand, ça, par contre? Ça a dû être traduit en... J'ai dû le rater dans la release. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, et donc bah, comme je vous disais, bah, j'ai mes robots là qui sont occupés à un investissement de banque. Donc et bah ça va bloquer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais zoomer là-bas. Ah là, le zoom et le dézoom, c'est l'horreur. Et le jeu au niveau du déplacement de la caméra, il est en PLS, quoi. Ah, il a... Ouais, non, il est à moitié, en gros. Donc il va... Bon, donc je sais, pour construire la Stargate, j'ai besoin de plus de trientanium. Bon, on va voir ça. Alors, hop. Ensuite, il y a les méga habits. Alors, apparemment, ça développe d'autres technologies. Donc, mais voilà, mais apparemment, voilà, on peut également construire des bâtiments
plus poussé. Enfin, plus. Pour accueillir plus de population. Mais honnêtement, on n'a pas de problème de population. Enfin, d'abri, en fait, en ce moment. On est plutôt en surpopulation vis-à-vis de l'emploi. Et puis, les logements. Voilà, j'ai 158 cas de logements possibles. Et puis, j'ai 46 000 colons. Donc, ça va. D'accord, ok. Donc, j'ai pas d'autres trucs qui sont apparus visiblement pour le moment. Donc on va voir comment ça évolue. Et il me manque donc ces trucs-là, mais il me manque des cristaux. Et justement, hop, je vais fermer ça. En regardant de la publicité, en fait, hein, à chaque fois qu'on se connecte, on peut voir une pub et avoir un cadeau en échange. Et l'empereur m'a envoyé 1600 cristaux. Cristalline. C'est de l'eau de source. Donc, voilà, donc j'ai les cristaux. J'en ai. Donc, on peut au moins développer ça, le cristalline synthétiseur. Alors, maintenant, on va voir si c'est arrivé. Parce que c'est pas indiqué en plus, c'est ça qui est bizarre. Dans les cristaux. Parce que là, je suis un peu embêté parce que ben je voilà bon ben je c'est bien j'ai les cristaux, j'en ai pas assez pour développer la deuxième technologie, peut-être dans les goods, peut-être dans les durables goods. Hop. Apparemment non. Là, je suis un peu embêté. Les Alien Tech, peut-être? Non. D'accord, donc ma Stargate, évidemment, je peux la faire depuis ici. Ok. Est-ce que je tente? Attendez. Parce que normalement, on peut pas. Normalement, on ne peut pas, mais peut-être qu'avec la nouvelle version, on peut. Si j'importe. Ouais, mais non, je peux pas en apporter du tri machin là. Je peux importer que de l'antanium. Ouais, je peux apporter que de l'antanium, mais je peux pas apporter de tri machin là. Donc, non. Donc, non. Mais c'est embêtant pour synthétiser des cristaux. Comment je fais? Ah. Donc là déjà j'ai un autre bâtiment. D'accord, donc j'ai l'archéologie et le Fantalang archéologie. Alors là je sais. Alors on va regarder un petit peu ce que ça fait. D'accord, donc c'est de la housing. Donc je regarde. Hein. Waouh, alors ça j'adore. J'adore. Il y a tellement de textes. Oh purée. Oh! J'ai le centre. Je peux créer le centre de. Je peux créer le centre pour la recherche de
de artificielle, enfin l'intelligence artificielle. Ok, donc finalement on a pas mal de choses à créer. On va avoir des choses à créer, donc c'est pas un problème. Mais ce que je voulais voir, le problème c'est que le jeu là ça devient injouable. Ça c'est le gros problème pour le moment. Donc archéologie, donc ça. Après avoir joué à un vieux jeu de construction de ville de la Terre sur un émulateur, un de nos ingénieurs a conçu ce projet de structure gigantesque dans laquelle les gens pourraient vivre, travailler et se divertir sans jamais avoir à sortir. D'accord. Donc ça peut engager 7000 personnes. Wow, c'est pas mal. Accueillir 10 000 personnes. Ouais. Et ça coûte beaucoup. Et ça coûte notamment du tas machin là. Donc non. Donc pour le moment c'est non. Mais voilà. Donc j'ai ça en housing possible aussi. Et le Fantasyland Grain, une méga résidence où les rêves deviennent réalité. Du moins jusqu'à ce que la réalité s'installe. Les robots s'occupent de toutes les tâches manuelles afin que les résidents puissent jouer toute la journée, fournir des logements massifs, mais pas d'emploi. D'accord, ok. Donc celui-là, par contre, ne crée pas d'emploi. Mais pas d'emploi, de divertissement ou d'autres services. Consomme des jouets, du rhum, du tissu et des robots. Alors le problème, c'est que les robots, justement, je manque de robots. Donc, l'archéologie est peut-être plus intéressant. Sachant qu'il m'emploie du monde. Et que ça vaut le coup. Par contre, ça me coûte aussi 10 000 d'énergie. Et au niveau ressources. Alors, au niveau des ressources, clairement, ce qui m'emmerde, c'est l'uranium, déjà. Parce que j'en ai pas des masses et je galère à en produire. L'aluminium, parce que je suis aussi très très serré en production. Et la poterie, parce que la poterie, j'en ai besoin pour mes. C'est ce que je galère le plus en fait à avoir pour mes investissements de banque. Et ça consomme aussi du titanium. Et ça, on en a besoin pour la Stargate. Donc pour le moment, c'est non. Pour le moment, c'est non. Par contre, maintenant, on a également. Alors, je vais juste baisser un tout petit peu. Il est trop baissé. Là, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, ça par contre, ça me consomme pas de tantalum, ça me consomme pas de poterie, ça me consomme un peu d'aluminium, mais encore ça va. Donc, centre de recherche à la pointe de la technologie génère beaucoup de recherches tout en consommant des micro-puces et des robots. Merde, ça consomme des robots. Et ça emploie 250 personnes. Alors, en soi, le truc, c'est que j'ai pas forcément besoin de plus, en fait, de points de recherche pour le moment. Enfin, si, je vais en avoir besoin pour la transcendance. Écoutez, je sais que j'ai ça en alternative en plus de mes hôpitaux quoi. Parce que mes hôpitaux c'est ce qui me rapporte le plus en recherche. Est-ce que j'essaie pas d'en construire un quand même? Ouais, mais non, ça me consomme des robots et ça m'emmerde. Parce que les robots, honnêtement, je galère à. Là, actuellement, j'ai coupé les. Oui, donc, je vous avais pas vu, mais j'ai fait les avancées robotiques, là. Incorporation, là. Je les ai fait, mais j'ai dû les activer parce que ça me consomme trop d'aluminium. Ça me consomme de l'aluminium et en masse, et puis. Et donc, ça me posait problème au niveau de l'aluminium. Donc quand je serai correct en aluminium, genre quand j'aurai 1 million, je les relancerai pour avoir plus de robots. Mais là pour le moment c'est beaucoup trop galère. Donc voilà. Donc pour le moment je les ai. Je peux les relancer quand j'ai vraiment besoin de beaucoup de robots au détriment de mon aluminium. L'aluminium je peux en importer aussi, mais ça coûte très cher.
Donc voilà, donc maintenant voilà, je suis à un équilibre assez précaire, on va dire, au niveau des ressources de ma base, de ma colonie. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc je pense qu'on va quand même créer l'arcologie. Tant pis pour les mille de tannerinium là, de je sais pas quoi là que ça produit. Mais ce qui m'emmerde aussi, c'est que je vois pas mon synthétiseur de cristaux. Bon. Arcology. Et on va le bâtir ici. Et allez. Attendez, je vais zoomer parce que je vois pas si je l'ai bien placé. Oh, c'est la misère. Écoutez, apparemment, il est bien placé, hein. Oh, c'est pas vrai. Ouais, il est bien placé. Écoutez, j'ai toutes les ressources qu'il faut pour le créer. Hop, on va le créer. Donc ça, voilà. Alors attendez, je vérifie juste le temps qu'on est. On est. J'ai pas le temps. Attendez. Ah merde, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps écoulé de. C'est con ça. Je vois pas le temps qu'en fait qui s'est écoulé dans XSplit. Il aurait fallu que je regarde l'heure au moment de lancer l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, on va continuer un petit peu. Donc ça, voilà. Donc, et comme je le dis, le problème, c'est que mes robots. Vas-y, là, je vais passer en mode diapo sur le jeu. Et zut, et puis je viens de voir que j'ai pas coupé ça, donc j'ai du monde qui arrive. Ah ouais, mais oui, mais là, vu que le jeu il bug en plus, ils mettent énormément de temps à construire alors qu'ils sont 50 sur le truc, quoi. C'est chaud. Bon. Donc voilà, donc il y a 1 million qui doit passer dans cette banque d'investissement. Et allez, je vais quand même lancer la construction d'un centre ici. J'en crée juste un. J'en crée juste un pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ah oui, j'ai recréé quand même 5 Luxury Tower là, c'est ce que j'ai appelé les Tenpenny Tower. Parce que pourquoi pas. Non, parce que j'avais besoin de produire un peu plus quand même de déchets. Et que c'est ce qui crée le plus de déchets. Pourquoi plus de déchets? Simplement pour faire tourner davantage mes centres de recyclage qui me produisent de l'aluminium. Vous voyez le. Voilà. Toujours la même chose quoi. Et du plastique aussi, ça me produit du plastique, donc c'est pratique. Le plastique, c'est fantastique. Voilà.
Non, mais ce qui m'emmerde, c'est pour le synthétiseur de. C'est pour le fameux synthétiseur de cristaux. Parce que je vois pas. C'est dingue ça. Est-ce qu'il faut que je déclare mon indépendance? Ça aurait pas de sens. Aluminium générateur. Oh, c'est quoi ça? Ah, attendez, 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 c'est quoi ça? Utiliser une réaction chimique entre la régolithe et la cristalline pour générer de l'énergie, d'accord, ok, donc c'est pas ça. Mais ça veut dire que je peux bien en produire. Si j'ai ça, c'est que je peux en produire. Y a un truc qui m'échappe. Y a forcément un bâtiment que j'ai pas vu. Qui me permet de créer des cristaux, quoi, enfin, de synthétiser des cristaux. Ça doit être logique. Tu peux pas mettre une ressource si tu peux pas la produire, enfin, dans le jeu, je veux dire, tu. Je sais que le jeu est en constant développement, mais ça vaut pas la peine de mettre une ressource si tu peux même pas la produire, quoi. Régolithe compactor. Broie la régolithe brute en minerai. Ouais, donc bah, du minerai, c'est voilà, du or, quoi. Donc non. Le charcoal compactor. En minerai brut, donc non. C'est du minerai aussi. Et synthétiseur d'antanium, ouais, ok. Transmission hub. Advanced Plastic Factory. Arcology. Playhouse. Incinérateur. Recycling. Conférence molle, non. Les supermarchés. Landplast. Charcoal converteur, ça fait quoi? Si vous avez beaucoup de charbon et pas beaucoup de minerai, construisez ce convertisseur de charbon de bois extraterrestre bien plus efficace que le compacteur à charbon standard. Ouais, donc c'est comme le compacteur à charbon, c'est juste plus puissant. Donc ça crée de l'or, ça crée, enfin, ça crée du minerai, ça crée pas de cristaux. Après, j'ai les synthétiques diamants. Pareil, j'ai l'obsidienne furnace qui me produit de. Enfin, qui utilise de l'hélium pour. Pour me créer voilà, de l'obsidienne, mais l'obsidienne ne sert à rien. Donc, voilà, je produis de l'obsidienne, mais ça ne me sert à rien.
Et j'ai ça aussi. Alors le Unity Bell Pocket, alors ça coûte très cher et surtout en Antanium, et j'ai pas envie de recréer de l'Antanium, des synthétiseurs d'Antanium, à plus savoir quoi en foutre. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok, excusez-moi. C'est Google. Parce que vu que je viens de me reconnecter sur XSplit il y a 1 heure, il me demande confirmation si c'est bien moi. Donc oui, c'est bien moi. Voilà, excusez-moi, Google qui panique. Parce qu'il me revoit utiliser un logiciel de streaming. Bon, voilà. Et donc non, donc je n'ai rien pour, à moins qu'il me faille, et là ce sera encore autre chose. Putain. C'est ça. Je vais attendre que son icône charge et je vais en créer une dizaine pour commencer. Bon, ça veut pas charger. D'accord, ok. Ça, cette tronche-là. Bon, normalement j'ai cliqué une dizaine de fois. Alors attendez, je rentre. Il va manquer un, je crois. Mais ouais, bon. Alors, Mastergate, si elle a la même taille que les autres trucs d'export, je compte la créer ici. Excusez-moi. Oh, ça galère à mort. Le jeu, il galère, mais à mort, quoi. C'est ouf. Allez, plus qu'un. Normalement. Ah, excusez-moi, il en reste, il en manquait encore un. Ok, donc là. Donc c'est bien ça, j'en ai que 9, mais bon, c'est pas grave. D'accord, et donc ça crée des dépôts. Donc ça me coûte 20 cristaux pour recréer des cristaux, et ça me coûte aussi du rhum. Alors pourquoi? Ok, donc c'est comme le... Bon, ok. Donc ça se farme. Ça c'est pas compliqué, ça se farme. Donc je vais farmer ça à côté de l'or, avec l'or, avec tout ça. Ça va pas être bien compliqué. Donc maintenant que je sais comment ça fonctionne, je sais que je peux en créer plus. Par contre, j'ai pas fait attention, mais... La construction, ça m'a coûté quoi? Ça me coûte que dalle, ça me coûte juste un peu d'aluminium. Je vais en créer 50. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 50.
Donc, je vais juste en prendre un. Là, voilà. Et l'amener ici. Comme ça, j'aurai qu'à double-cliquer dessus pour le pour tous les sélectionner, pour sélectionner les 50 et leur indiquer un parking. Donc, au moins, on va pouvoir créer ça. On va pouvoir enfin générer du cristal. Enfin, des cristaux. Du cristal ou des cristaux, j'ai pas fait de faute de français. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Par contre, je voulais juste voir un truc. Ça, parce que j'en ai parlé, mais ouais, ça me consomme du steel, du gold et de l'or. Ouais, ok. Ça me consomme que dalle, quoi. Pour créer de l'obsidienne, ça me. Putain, 16 par minute quand même d'or. Ça me aussi, ça consomme pas mal d'or, mais bon, enfin de minerais, mais honnêtement, de minerais, c'est pour ça qu'il me manque. Alors, en fait, mon minerai, simplement, je le produis avec ça. Avec les ore fracking operation. Les ore fracking opérations. Voilà, parce que ça marche bien. Et que c'est largement suffisant pour me maintenir au maximum de ma capacité de stockage. Donc voilà. Et pas me plaindre. Non, mais tout ce qu'il faut, c'est que mes robots de construction qui sont sur l'investissement de banque, et ben s'attaque à l'arcologie, aux trucs d'intelligence artificielle et surtout les trucs qui vont me permettre de créer plus de tanium là, de tritanium, ouais, de ça, de tananium là, de trucs verts là, du trientanium, c'est ça, voilà, à vos souhaits. C'est ça, mes constructions drones que je disais. C'est ça qu'il faut que. Ah, pas d'autres des robots que je peux créer. Visiblement non. Alors. Il n'est pas tout à fait comment dire clair en fait le nombre indiqué ici. Il a souvent du mal à se mettre à jour, faut souvent relancer le jeu pour qu'il soit réellement à jour. Ou attendre un petit peu de temps quoi. Ça fait chier, ça, je peux pas avoir le temps. En attendant que ça se construise, je vais regarder parce que je suis un peu embêté si je suis dans brut. Que je regarde juste un truc, par exemple, que je mets autre. C'est dans L. Longueur. Non, il m'indique pas combien de temps depuis combien de temps je tourne. Un peu enquiquinant ça. Non, bah c'est tout. Disons qu'on va continuer jusqu'à ce qu'on ait créé nos premières mines de. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que c'est justement aussi peut-être ma quantité de robots qui pose problème?
Parce que j'ai quasiment 50 robots de chaque, en fait. Voire même une centaine pour certains. Donc, c'est peut-être ça aussi qui. C'est peut-être une gestion d'entité. D'accord, voilà. Donc, j'ai 51. Alors, je vais les parquer ici. Comme ça, au moins, quand j'ai besoin de les chercher, en fait, je sais qu'ils sont tous là. Alors, par contre, voilà, il y a ça aussi. Hein. D'accord, donc j'ai aussi là tous mes robots qui sont là, alors qu'ils sont censés être partis construire quelque chose. Donc je vais les envoyer. Je vais avoir, vous voyez, ils se sont tous parqués là alors qu'ils ont du boulot. Voilà. Vous avez des centrales électriques à construire, les gars. Hop. Allez, au boulot. Parce que là, l'énergie, vous vous dites, ouais, j'ai de la marge. Ouais, sauf que j'ai beaucoup de bâtiments désactivés, en fait. En réalité, niveau énergétique, je relance. Si j'avais tous mes bâtiments, notamment bah, les avancées de robotique, bon, ça c'est une chose, ça me consomme pas mal. Mais surtout, cette merde là, qui est ici, ça consomme en réalité masse d'électricité, tout ça. Les Antanium synthétiseurs et les Tritanium raffineries, c'est une horreur au niveau énergie. Mine de rien, ça consomme énormément. Et le problème, c'est pas tant la production. Le problème, c'est le stockage. Il est là le problème, en fait. C'est que si on avait des bâtiments de stockage, ça irait tout seul. Ou si ça se stockait dans les Quantum Warehouse, ça serait génial. Or, c'est pas le cas. Donc, c'est emmerdant. Voilà. Bon, ils se sont tous parqués ici, ils sont tous arrivés, je pense. Non, j'en ai qu'un. Mais écoutez, c'est pas grave, on va quand même lancer la. Voilà, ils savent qu'ils doivent se parquer là. Donc. Ah d'accord, c'est tout petit! Oh, c'est tout petit! Bon, je vais juste faire une ligne. Quoique une ligne, ça fait beaucoup, peut-être. Alors, le rhum, pareil, c'est pas un problème, hein, ça. Donc, si je fais ça, je suis à 900. 1200. Je vais consommer tous mes cristaux, de toute façon. Hein, Donc je sais que je dois mettre 1500. Et ça, 1500. 1280, je peux peut-être un peu pousser encore. Hop, trop. Trop, trop, trop. Là, je suis bien. Allez, on va déjà produire ça. Excusez-moi. Hein, ils sont bizarres comme robots. Bien, bien. Alors, ça me consomme 20 et je peux en récolter 400. Ok, d'accord. Donc, de 20, ça transforme en 400 par unité. D'accord, ok. Donc, c'est rentable. C'est quand même rentable. Le truc, c'est de surtout ne pas tomber en. Comment dire? En rupture de stock. Alors, ma théorie, c'est pour faire ça, enfin pour voilà, pour obtenir ces cristaux-là, en fait, il faut débloquer la porte des étoiles, je pense, parce qu'on peut en apporter, à mon avis, avec la porte des étoiles. Si on n'a pas la porte des étoiles,
à mon avis, les cristaux, bah en fait, faut avoir le coup de chance que l'empereur en fasse cadeau, quoi. Donc là, en fait, j'ai eu le coup de chance en regardant une publicité d'obtenir des cristaux. Ça m'est arrivé à de trois occasions hein, que les cadeaux, honnêtement, de l'empereur me débloquent une situation. Hein. Par exemple, quand je manquais d'artefacts aliens et que c'est tombé et que j'en ai récupéré, c'était gagné quoi. Après voilà, par exemple j'ai eu ça aussi en cadeau de l'empereur des vaisseaux, des Starships, mais pareil, à quoi ça sert? Est-ce que ça va me servir? Quand est-ce que ça va me servir? Ça va me servir certainement un jour, mais quand? Voilà. Autre chose, alors ça c'est les peintures qui sont créées par les hipsters house. Je peux pas les vendre, je peux pas les exposer, je peux rien faire avec. Donc à mon avis, il y a des ressources dans le jeu qui ont été prévues, mais qui... Mais voilà quoi. Ou alors faudrait que je crée plus d'hipster host, de hipster loft, et que j'arrive peut-être à 10 000 peintures pour débloquer un truc. Non quoi, juste non. Si c'est ça, c'est non. En plus, j'ai créé un musée pour les. À mon avis, les peintures étaient censées être exposées au musée, à la base, je pense. Et le musée, en fait, il sert au. Là, il est là. Il sert au tourisme. Mais normalement, dans un musée, justement, tu trouves des peintures, entre autres, quoi. Tu trouves. Mais là, non. Juste non, quoi. Bah ouais, ça aurait été logique, hein, mais c'est non. Bon, de toute façon, ils vont construire ça. C'est très bizarre comment ça se présente, n'empêche. Mais là... Donc... Une fois qu'ils auront tout construit. Donc je. Attendez juste un instant. Elle est là. Donc. 1500 x 400. Ah ouais! C'est-à-dire que une fois que. Bon, j'aurai tout créé là et que j'aurai tout récolté une première fois, je serai à 600 000 cristaux. 600K. Putain, 600K, je vais déjà quasiment remplir en fait le stockage que j'ai dans mes Quantum Warehouse quoi. Juste en une voilà cadeau. Et juste parce que j'ai eu un gros cadeau de l'empereur quoi. C'est ouf. Le jeu est très bien pour ça. Vous savez que je gueule souvent quoi, sur la publicité, mais la publicité en échange de quelque chose qui te fait bien progresser dans le jeu, honnêtement, je suis preneur quoi. C'est top. Ah, le jeu a eu un sursaut de... Ouais, peut-être que... Attendez, alors, je vais essayer un truc. Je vais peut-être sauvegarder un petit peu avant quand même. Non mais tout a été traduit. Ça a été traduit depuis quand? Parce que j'ai pas vu que le jeu était traduit. Hop, My Colony. Accès aux détails. D'accord, ok. Alors, c'est lequel? Ça doit être celui-là. Hop, définir la priorité. On va voir un petit peu ce que ça donne si je fais ça.
Ouais, je sais pas si ça va vraiment plus vite. Donc non, ça je pense que ça a vraiment aidé. Ça se... Non! Ça se répand! C'est des cristaux qui se répandent! C'est comme les forêts! Mais c'est cheaté! Mais c'est cheaté as fuck! C'est-à-dire que quand je vais récolter, je vais même avoir des bonus, quoi. Allez, retournez à votre spot de parc. Voilà. Si ça se répand en plus, mais c'est... C'est génial! C'est génial. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste lancer avec vous comment dire, la récolte. Et puis je vais couper. Et je vais voir le temps qui me reste éventuellement, ou on se retrouve pour un épisode prochain quand ça aurait un petit peu évolué tout ça. Ah ouais, là va y avoir un petit peu d'aller-retour parce que c'est pas si proche que ça. Oh si, ça ira. Et qu'est-ce que vous me faites, les gars? Non, mais les gars, quand je vous ai dit d'harvester, c'est tout harvester. Les mecs, ils ont harvesté un truc, ils se sont arrêtés, quoi. C'est pas vrai, ça bug. J'y crois pas, ça bug. Faut leur donner tout le temps l'ordre d'harvester. Et encore, parfois, ils répondent même pas. C'est pas possible, ça. C'est en bug. J'y crois pas, c'est en bug. Et c'est en train de se répandre, ça va se... Non, 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 c'est pas possible ça. Non, c'est le jeu qui bug. Écoutez, je vais couper là, je vais voir avec l'enregistrement comment ça se passe. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.